Eh bien salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur WWE 2K17 pour un nouveau match à 3 contre 3 en tag team. Attention, c'est du show, c'est du lourd, c'est la Wyatt Family contre The Shield. Et oui, donc c'est un match des abonnés, enfin match que m'a proposé un abonné. Merci à Mamut, Alitopal qui m'a dit faire un 3 contre 3 The Shield de Wyatt Family. Voilà, ton vœu est exaucé. Allez, petit chargement comme vous voyez, hein, à chaque fois il y a un petit chargement sur ce jeu. J'allais pas dire autre chose, hein. J'allais dire sur ce jeu, je cherchais le mot. Petit chargement, aux entrées, on se retrouve tout de suite. On accueille en premier la Face of the Fear, Bray Wyatt et sa famille, qui est constituée de Luke Harper, Eric Rowan et Randy Orton. Oula, il y a un blanc là. Ah oui. Ah non, c'est bizarre, point, il y a un blanc. Ok. Il y a eu un blanc. Je crois qu'ils ont même pas modifié le truc depuis l'année dernière. Si vous voyez quand l'année dernière. What? Ah oui, il est Universal Champion Randy Orton, j'ai oublié. Oh. J'ai oublié de l'enlever. Bah il faut me le dire aussi. Pourquoi on me dit pas de l'enlever? Ah bah aussi, bon c'est pas grave. Et l'année dernière, genre, du coup, tu sais, vous voyez, il avait une lampe à l'écran et il soufflait dessus. Et c'était run ou un truc comme ça. Et ensuite il y avait la musique qui se déroulait. Et ben ils ont même pas réussi à l'enlever depuis 2K17. Ils ont fait la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un temps d'attente. Si vous voyez pas ce que je veux dire, allez jouer à 2K16. Voilà, et vous saurez. Ah, The Wyatt Family, Randy Orton, Universal Champion. Ah, il est magnifique le titre là. D'ici, il est beau. A Money in the Bank. Oh mon dieu, un 3 contre 3, ça va laguer dans tous les sens, tiens voir. Il est là, Bray Wyatt, le meilleur. Il a failli battre Undertaker. Enfin, failli. What? Qu'est-ce qu'ils font le public là? Ah, j'ai jamais vu faire ça le public. Il se balance les bras. Tu sais, comme si on était à un concert. Allez, c'est pas grave, maintenant on va faire place au meilleur. Au meilleur. Ils sont de retour. Roman Reigns. Dean Ambrose, Seth Rollins, The Shield. Et l'entrée, c'est par les tribunes, on s'en rappelle bien. Waouh, Roman Reigns, le magnifique Roman Reigns. Dean Ambrose, Seth Rollins. Oh putain, qu'est-ce qui nous manque? Ils ont fait un triple powerbomb. Comment ça s'appelle? À Survivor Series, putain, ça nous a rappelé plein de souvenirs. Leur premier Survivor Series, ils ont fait un triple power bomb. Et le dernier qui est venu là, qui est passé, ils ont fait un triple power bomb. Magnifique. Dean Ambrose, toujours aussi fou, hein, ça change pas. Voilà. Je sais parler français, vous inquiétez pas. Hein. C'est comme ça, dans les habitudes. Allez, attention, le projet, dans les courbes. Attention, Roman Reigns, c'est taré. Hop, par-dessus. Ouais, oh, je t'ai dit de passer par-dessus, enculé. Oh, le bat. Je t'assure, ouais, Luke Harper, tu vas crever aujourd'hui. Hein. Parce que mon gars... Oh merde, j'ai attaqué Randy Orton. C'est pas ça que je voulais faire, bon, c'est pas grave. Oh, ça rappelle bien, Randy Orton. Hein. The Shield, ils ont déjà fait équipe. Enfin, équipe juste pour un match, hein, mais bon. On s'en rappelle très bien que... Hein, Randy Orton, il s'est pris quand même un triple powerbomb par The Shield. Hein. Au tout début, attention, Roman Reigns depuis la deuxième côte. Ah, le bâtard, il est parti. Et oh, tiens, manchette à la volée. Bâtard, mais putain, mais par contre, ça devient un peu rudement chiant de contrer sans arrêt. Oh oui! Au niveau des vidéos sur la chaîne, je vais baisser un peu. Je crois que je vais en faire tous les deux jours. En attendant mon nouveau casque, en fait. Voilà, parce que j'en ai pris un autre parce qu'en fait, celui-là, il est pas du tout correct. Attention à Dean Ambrose! Attention à Dean Ambrose, il va dans les corps de le coup, sur Wyatt. Oui, donc du coup, je vais racheter un Turtle Beach. Attention! Hop! Oh putain, j'ai défoncé tout le monde. Ah non, mais là, mon gars. Hop! Pour gagner, je ferai tout. Ouais, dégage, Randy Orton. Tiens, connard. Allez, on lève tranquillement. Bray Wyatt. Alors attendez, je suis où? Ok, Roman Reigns. Une claque!
Une claque. Bim. Une claque. On peut appeler ça aussi une ATM. Le coup de coucoude sur Wyatt. Allez, lève-toi, Wyatt. Lève-toi, je vais te défoncer. Regardez, je suis The Shield. The Shield. Allez, vas-y, viens. Ramène-toi, Johnny. Ramène-toi. Eh non, mais. Oh, c'est un taré. Moi, je vais le déglinguer. Voilà, là. C'est terminé. Bon, ça dégage. Tiens, toi aussi, tu dégages, connard. Eh, là, je vais te déglinguer, Luke Harper. Luke Harper. Woman. Dean Ambrose, pardon. Sur la troisième corde, il se jette sur Luke Harper. Putain. Oh mon dieu, ça a défoncé tout le monde. Enfin, ça a défoncé tout le monde. Ça a surtout défoncé Dean Ambrose. Alors, je vais essayer de faire le triple power bomb. Je sais pas si on peut le faire. Et vous savez que Randy Orton n'est pas encore venu. Hein. Hop, ça dégage. Attention, une claque. Ah merde. Et oh, t'es un taré là, Dean Ambrose. Ah merde, c'est pas lui que je visais. Ah ouais, non, mais si le jeu il vise aussi les autres personnes, ça va pas le faire. Ah ouais, il me fait son coup spécial. Ouh, le Sentone. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ah là, attends. Attends. C'est... Ah. Ok. Ok. D'accord, j'ai eu du mal hein, pour le faire partir. Tiens, toi, dégage aussi. Allez, Seth Rollins. Allez, Luc, lève-toi, Johnny. Lève ton gros boule. Mais non, mais dégage avec ton dropkick, sérieux. Putain, il savait même pas faire un jeu. Enfin, un jeu. Il savait même pas faire une prise. Allez, on retente notre chance. Allez, Seth Rollins. Mais pourquoi il est de dos, putain de merde? Eh les gars, Touquet, votre patch, il sert à que dalle. Hein. Vous faites que rajouter des problèmes, c'est hallucinant. Des fois, on se demande si vous le faites pas exprès, quoi. Putain, non, mais sérieux, comment tu veux pas t'énerver sur un jeu qui est tellement si bordélique, même avec un patch, quoi. Avant, il y avait aucun problème de ça, et depuis le patch 1.4, mec, quand tu demandes un provoque qui se relève, c'est dégueulasse, quoi. C'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Il se retourne même pas, il est de dos. Putain, mais sérieux, t'es obligé de t'énerver, quoi. Putain, quand on sait pas faire un jeu, quand on sait pas faire un patch, les gars, faites rien du tout. Hein. Ah, là, ça va être chaud, par contre, pour gagner. C'est tout le temps, les mecs, ils visent Randy Orton à vous dire. Non, fais pas de finisher, putain, enculé. Bon, c'est pas grave, vas-y. Vas-y, fais-le tomber. Moi, je fais le spear sur Randy Orton. Spear sur Randy Orton. Ouais, victoire. Ah putain, j'y croyais pas. Parce que j'étais en train de me dire, ils ont pas contrôlé tout le monde. C'était assez rapide. Et ben finalement, on a réussi à gagner contre la Wyatt Family. C'est pas super, ça. Franchement, c'est pas super. Alors, ce que je vais dire, et je vais encore m'énerver. Je sais pas si vous entendez en fond là, mais il y a une musique de triomphe pour le The Shield. Est-ce que vous l'entendez cette musique? Est-ce que c'est The Shield? Pourtant, j'ai fait exprès d'aller dans modifier équipe et de modifier leur putain d'animation de victoire. Et j'ai mis The Shield en tant que musique, mais ce putain de jeu, il met une autre musique. Putain, faut comprendre le jeu quand même, hein. Bon, je m'énerve pas plus que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à t'abonner, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous dis, n'hésitez pas surtout à proposer des matchs. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!